Salut tout le monde. Bon ben, comme annoncé dans la vidéo d'achat du mois d'avril, voici trois cartes mode Super Nintendo que je vais vous présenter parce que je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Ils sont plutôt intéressants. Donc, écoutez, on se retrouve juste après le générique pour vous présenter le premier, le carte mode de Secret of Mana 3. C'est parti! Ai pris justement eh bien un jeu original, donc le classique, hein, Legend of Zelda, A Link to the Past, donc Zelda 3 et Secret of Mana. Pourquoi est-ce que je vous ai pris ce Zelda? Tout simplement pour pouvoir comparer les jeux, voir un peu comment est fini le jeu, etc. Donc déjà, première chose importante à voir côté packaging, donc chose intéressante, vous avez des sceaux, donc justement de chaque côté du jeu. Ça c'est plutôt cool. Vous aviez également pareil côté Super Nintendo, un sceau juste d'un côté Nintendo classique. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous n'avez pas de mention de Super Nintendo sur le packaging du cart mode, juste Super NES System. Tout simplement je pense pour une raison de droit, la personne ne souhaitant pas se faire attaquer par Nintendo, déjà que c'est un peu borderline. Donc voilà, ce jeu, donc ce cart mode est compatible avec les Super Nintendo françaises, américaines et également japonaises. Donc ça c'est plutôt très positif. Donc au niveau de la boîte, donc c'est une boîte brillante, un peu plus brillante que les boîtes classiques Super Nintendo je trouve, qui par contre en termes de qualité et de finition est vraiment très très professionnelle, donc c'est vraiment très positif. Vous avez également sur le côté, comme vous pouvez le voir ici, hop, voilà, le petit logo avec la société qui fabrique ça qui s'appelle World Heroes Company. Vous n'avez pas non plus le fameux logo Super Nintendo que vous avez sur tous les autres jeux. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et à l'arrière, on retrouve eh bien un peu le même packaging que les versions originales. Donc avec un côté déjà avec les, on va dire, des screenshots du jeu, quelques petites explications, un code barre également. Vous avez un attention voilà d'épilepsie, si je puis dire. Le PEGI qui n'existait pas à l'époque, donc qui n'est pas présent. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, le packaging extérieur. Donc plutôt de très bonne qualité. Là on a une belle illustration donc de Secret of Mana 3 avec l'arbre mana. Et on va donc ouvrir ce jeu parce que vous allez voir qu'il y a d'autres différences. La première, vous la voyez ici, l'intérieur du carton avec le sceau de la World Heroes Company. Hop. Je vais essayer de faire ça comme ça. Ça, on va le déballer ensuite. Ça, c'est la notice. Et je vais aussi ouvrir donc mon exemplaire de Zelda pour pouvoir comparer les différents éléments. Vous allez voir, je ne l'ai pas pris pour rien, le Zelda. Il a de bonnes raisons à ça. Hop. Voilà. On va déjà comparer donc les deux notices. Donc notice plutôt très sympathique également. La qualité du papier est différente pour le coup. Ici c'est du papier glacé beaucoup plus, on va dire, classique pour ce Zelda, comme vous pouvez le voir. Ici c'est du papier beaucoup plus, on va dire, qu'on retrouve dans le commerce, mais qui reste malgré tout de qualité, le tout, tout en couleur en français évidemment. Donc plutôt sympa. Je présente rapidement l'intérieur. Je passe un peu vite, hein, mais tout est bien expliqué. C'est vraiment très cool. On vous explique bien sûr le système d'évolution, le système d'armes. J'ai jamais joué à Secret of Mana 3, donc je connais très bien le jeu, hein, je vous avoue. Donc ceux qui connaissent pourront certainement plus s'y retrouver. Donc là on présente les différents protagonistes. La qualité d'impression est vraiment positive, hein. Honnêtement, il n'y a rien à dire. On est sur quelque chose de qualitatif, donc c'est vraiment cool. Il y a 50 pages à peu près. Là, c'est toutes les magies. Donc, vraiment très cool.
Donc ça, c'est un point qui est très positif, c'est de retrouver une notice vraiment comme ça, tout en couleur, en très bonne qualité d'impression, même si c'est différent de la qualité, on va dire, originale Super Nintendo. Ça reste vraiment qualitatif et même l'arrière est vraiment cool. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, la cartouche. Hop. Je vous déballe ça. Voilà, et on va prendre également la cartouche du Zelda. Je n'ai pas le plastique, donc c'est parfait. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une cartouche de bonne qualité. Les différences sont identiques, hein, donc pas de logo Nintendo. C'est marqué donc Super NES System au lieu de Super Nintendo, comme sur la boîte. Et à l'arrière, bien sûr, c'est une cartouche, on va dire, classique qu'on trouve chinoise. Et là, c'est une cartouche Nintendo, beaucoup plus légère par contre, pour le coup, que le Zelda typiquement. Ensuite, on a droit, comme je vous disais, à pas mal de petits bonus. Hop, je déballe ça, je ferai certainement un cut. Donc voilà, là on a droit à une carte du monde, donc qui est toujours bien agréable, on va dire, qui est très différente de la carte du monde de Zelda, pour le coup. Je la trouve moyenne, elle est pas si bien que ça, finalement. Bon, la qualité est correcte, hein, mais honnêtement, on aurait pu avoir un truc un peu plus qualitatif, un peu comme le Zelda, que je vous montre là. Voilà, qui est vraiment très sympa en papier glacé. Donc là, ça fait un peu impression vraiment type A3, je pense, si je dis pas de bêtises, en termes de format. Ou un grand A4, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est le côté un peu bof, je trouve, concernant cette édition. Et derrière, rien du tout. Donc ça reste très, très classique. Après, la notice est quand même assez complète, donc ça permet quand même de contrebalancer ça. Et ensuite, également, on a droit à un petit bonus. C'est tout sympathique aussi. Voilà, un beau poster de Secret of Mana 3. Donc ça, c'est vraiment positif, c'est vraiment très cool. C'est un petit bonus supplémentaire qui est pas négligeable, qui est en très bonne qualité. Bon, ça reste de la qualité impression papier, hein, mais on voit quand même que c'est fait de manière laser, donc plutôt cool. Donc contrairement à la carte qui est assez cheap, je trouve le poster rend vraiment bien, belle couleur et tout, donc vraiment très très cool. Donc voilà, une je trouve belle édition pour ce Secret of Mana 3. Pas grand chose de plus à dire en tout cas sur cette édition. Moi je trouve que c'est plutôt très qualitatif. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si ce genre de jeu vraiment, on va dire, poussé à son paroxysme en termes de packaging pourrait vous intéresser. Chose importante que je n'avais pas dit, pardon, c'est que non seulement tout est en français, notice, etc., mais le jeu également est traduit en français. Donc ça c'est plutôt très positif, donc vraiment une très bonne chose. Donc voilà, je vous dérange pas plus longtemps et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain unboxing. C'est parti !